Yo les gars, comment vous allez? Est-ce que je suis obligé de m'asseoir dans mon studio vidéo pour vous parler de cette nouvelle, on va dire, surprenante là? Hein? Est-ce que je suis obligé? Franchement, il a dit qu'il arrivera un moment où il va plus laisser le temps à la concurrence. Et je pense que ce moment-là est arrivé. Donc la concurrence doit bien s'asseoir. La concurrence doit bien s'asseoir. Et ne vous inquiétez pas. C'est pas moi qui fais cette vidéo cette fois-ci, c'est lui-même. Lors d'un direct qu'il a laissé sur sa page Facebook, il va vous parler de vive voix. Il va vous faire d'abord montre de son talent, sur spécialité ivoirienne en acoustique. Voilà, parce que c'est un live, mais un live acoustique, parce que tous les instruments ne sont pas joués pendant qu'il est en train de chanter. Spécialité ivoirienne. On se prend juste après le générique, les amis. Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, progrès, à la base. Je procède à des firmes. Voilà, les amis, vous vous rappelez, hein, depuis le 10 juillet 2019, Debordeaux Lil Koufa est venu avec un morceau un peu controversé, mais vous connaissez, comme le talent parle toujours pour lui, le morceau a commencé à cartonner, le morceau a commencé à contrôler. Voilà. Et ce morceau-là est dénommé Spécialité ivoirienne. Ce que vous allez écouter tout à l'heure en acoustique avec l'artiste lui-même, où il vous délivre un scoop, je dirais. Voilà. Quand on sait que l'artiste met beaucoup, beaucoup de temps à l'accoutumier pour faire sortir un autre son, il nous dit cette fois-ci qu'il y a un autre morceau qui arrive. Et ce n'est pas un petit morceau. Le coupé décalé que vous voulez là, le morceau, c'est le rythme coupé décalé que vous voulez là. Vous pensez qu'il est en train de fuir là. C'est ça, il va vous servir. Et comment s'appelle le titre du morceau? Selon ses propos, hein, selon ses propos. Que du sale. Donc imaginez un peu comment ça va framponner. En tout cas, la concurrence, attachez bien votre ceinture. Vous avez demandé à courir. Debordeaux Lil Koufa est prêt à courir. Vous-même là, quand je vais finir mon allocution, regardez son live. Appréciez son live. Quand quelqu'un est fort, faut dire qu'il est fort. Il peut avoir tous les défauts du monde, mais son talent, c'est Dieu qui lui a donné ça. Donc apprêtez-vous. Ce 1er septembre, on va embrouiller un peu la toile avec cette histoire de queue du sale. Parce que franchement, ça c'est un honneur. C'est une très bonne nouvelle parce qu'on n'est pas habitué à ça. Septembre tout près là, dans 2 petits mois. Queue du sale arrive. On va voir si la concurrence peut vraiment courir. Donc restez connectés. Je vous livre son live et son annonce sur queue du sale tout à l'heure. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit que le travail est repris, non? On ne s'arrête plus. Voilà. De la manière qu'il est en tas, là, c'est comme ça qu'on sera en tas pour sa promotion. Continuez à partager le lien des spécialités ivoiriennes. Il est toujours en description. Voilà. Lui, je l'ai bloqué en description là-bas. Jusqu'à ce que je décide de l'enlever. Donc allez cliquer sur le lien. Envoyez rapidement l'audio en moins d'un mois à 1 million. Voilà. Et puis, s'il plaît à Dieu, le clip viendra dans pas longtemps. Donc, que du sale arrive ce 1er septembre. Et c'est une signature coupée, décalée. Plus coupée, décalée. Vous allez danser jusqu'en... Vous allez dire, ouais, Debordeaux, tu n'es pas un artiste qu'on doit provoquer. Tu viens de nous frustrer avec que du sale. Parce que moi, il y a confiance. Si c'est mouvement coupé, décalé, ce moment-là, il y a confiance. Spécialité, il va entendre des cartes, on est senti les framponner partout. Les sorties, mais bon. Pour l'instant, on n'est pas encore inquiété. Moi, j'attends Kong. Peut-être que c'est Kong qui essaie de venir effrayer un peu spécialité ivoirienne. Mais pour l'instant, là, c'est chaud. Baby Foot, Frampon, Zgabaou de Ramsès Frampon. Mais actuellement, là, sur le trône, c'est des spécialités ivoiriennes. Il s'agit. C'est ça, on connaît. Arrête Chéné, on te regarde. DJ Rafat, on vous regarde. On dit 1er septembre. Voilà. On va commencer à vous victimiser un à un. Ciao, ciao, les amis. Juste pour rigoler. On s'abonne et bon visionnage pour son live. Ah.
Yeah.
Que du sale arrive. Mais pour l'instant, Fianco d'abord, bon d'abord. Des bruits, merci. Merci le béni. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Voilà. Ah oui, mais. D'accord, ok, bon. Merci. Il n'y a pas au guider, mais dommage. Arrête de demander aux musiciens de faire un autre de Bordeaux. Un autre petit truc, histoire de nous ambiancer. Merci pour ce nouveau son. Nous allons donc poursuivre avec la prochaine prestation.